feel good. Yo tout le monde, nouvelle vidéo réception avec beaucoup de vide. Vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à de la display rarissime. Et j'espère que c'est la première fois que vous verrez ce genre de display, parce que moi c'est la toute première fois que je la vois. Mais d'abord on va commencer chronologiquement avec des petits items du set de base jusqu'à Neo. Et juste avant on va commencer par le petit coffret Tempête que vous connaissez sûrement tous. Enfin du moins tous ceux qui ont connu Wizard. Donc voilà, donc là un petit coffret Tempête en français. Il y a la seule chose intéressante qu'il y a dans le coffret, c'est le CD qui est encore scellé. Voilà, donc moi qui essaie de reconstituer ce coffret, et bah ce coffret scellé ira directement dans ma boîte à moi avec le petit sachet et la pièce. On passe maintenant à une display deck, et pas des moindres parce qu'il s'agit de celle des decks découvertes. Voilà, donc prêt à jouer. Et pour ceux qui ont vu l'interview avec Vladimir, vous êtes au courant qu'il y a deux types. Donc il y a cartes à jouer et à collectionner et jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc là où il y a écrit jeu de cartes à jouer et à collectionner, c'est qu'il y avait la petite pastille. Et à l'inverse, il n'y en avait pas sur les decks avec marqué cartes à jouer et à collectionner. Donc voilà, donc là il y a deux différents, sinon le contenu était le même. On va passer maintenant au display, donc j'ai reçu quelques petites displays, donc une display première édition, set de base qui est un petit peu défoncée, voilà, il y a 4 $ French, donc à mon avis elle venait des États-Unis. Donc il y en a une, deux, voilà, une deuxième qui est en un petit peu meilleur état, là il y a un bout de scotch qui se balade, voilà, mais il y a aussi une troisième qui elle est en état vraiment sublime. Voilà, elle est vraiment parfaite et elle va remplacer la mienne que j'avais déjà, donc ça m'en fait 4. Derrière cette de base on retrouve évidemment Jungle, donc première édition limitée là aussi. Voilà, donc elle est en état aussi très sympathique, il y a juste une pliure, je sais pas si on va la voir, voilà, on la voit juste ici. Voilà, sinon elle est globalement en très très bon état. Ouais, pour ceux qui veulent lire, profitez-en. J'avais la flemme de mettre la face cam, donc si vous voulez lire, c'est parti. Après Jungle, on a évidemment Fossil. Donc c'est la seule édition 2 du lot. Donc il n'y avait qu'une Fossil en édition 2. Voilà. Plutôt en état correct. Et qui dit édition 2 dit forcément édition 1 avec première édition tirage limité une fois de plus. Donc là on pouvait voir que c'était 25 francs à l'époque. Elles sont toutes complètes. Hein. Donc voilà. Et pareil que la mienne, elle a dû prendre un petit coup de soleil sur le devant. Voilà, vous pouvez voir la différence de couleur. Clock class. Et pareil, si vous voulez lire, c'est le moment. Derrière Fossil, nous avons Rocket. Donc Rocket en édition. Hein. Donc, je vous en avais présenté déjà une il y a quelques temps sur la chaîne. Et là, je vous en présente une deuxième du coup. Donc le seul défaut, c'est juste ce trait. C'est dommage, je pense que ça doit être un coup de cutter. Mais voilà, donc elle est en meilleur état. Donc elle va remplacer celle que j'ai. Pareil, si vous voulez lire, c'est le moment. Voilà. Elles sont magnifiques. Derrière Rocket, on y trouve Genesis est en édition 2 et française. Français. Bon, le seul défaut, c'est que elle a plus ses petites ses petites languettes. C'est dommage, mais sinon elle est vraiment très belle. Voilà. Qui dit édition 2 dit édition 1. Et ce n'est pas celle en US, c'est celle en française. Et il ne s'agit pas de la display qui a été ouverte en live sur les groupes Les Barjots par Romain et Nasser. Il s'agit d'une autre display, d'ailleurs vous pouvez le voir, il y avait encore une petite étiquette ici. Donc pareil, si vous voulez lire, parce que là c'est de la display qu'on ne trouve pas du tout partout. Voilà, donc Rogada, Scorplan et Elekid. Voilà, très content de pouvoir remplacer celle que j'avais en US. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, mais voilà, il y a une petite Destiny dans le lot.
Bon, allez, en édition 2, c'est dommage. Je ne connais pas du tout de Destiny en édition 1, que ce soit française scellée et que ce soit en français vide. J'en connais absolument aucune. Voilà, je vous la représente rapidement. Voilà, pardon, si vous voulez lire. Voilà. Et Octillery. On va passer aux deux dernières displays qui sont pour moi le top du top. Je pensais vraiment pas finir cet objectif rapidement. Mais voilà, j'ai pu obtenir une display révélation en édition 1. Voilà, elle est édition 1 et française. Et ça, c'est fou, c'est la deuxième que je trouve. Donc la première m'était passée sous le nez par un collectionneur un peu malhonnête en termes de pratique sur les groupes Facebook. Mais voilà, elle est là, une deuxième. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir l'avoir dans sa collection. Donc j'en avais rentré une US il n'y a pas très longtemps. Donc là, j'en rentre une française. Et en édition 1, c'est encore mieux. Donc pour la petite histoire, je remercie une abonnée qui s'appelle Héloïse qui m'a envoyé un petit lien où elle était sur Vinted en fait. Et j'ai contacté le vendeur. On a fait une remise en main propre le lundi 5 octobre. Et voilà, j'ai tout récupéré du coup, parce qu'il avait pas mal de choses. Donc on a fait un échange, donc je lui ai proposé des trucs, je lui ai tout pris. Et voilà, donc je suis vraiment super heureux de pouvoir avancer cet objectif de déco en pratiquement full édition. Il va juste me manquer la Destiny. Et voilà, je suis trop trop content et je remercie encore cet abonné qui m'a mis en contact. Et peut-être Thibaut, si tu m'en as parlé et que tu regardes cette vidéo. Merci à tous les deux. Et puis surtout, merci à toi. Ecto Collection de pouvoir m'aider à remplir cet objectif. Et la dernière qui est pour moi la plus rare, il s'agit de Discovery, et vous l'avez vu en édition 1 encore. Et évidemment, il s'agit d'une display française. Donc c'est la seule que j'ai vue depuis 4 ans de collection. C'est la seule que j'ai vue, que ce soit vide ou pleine. De toute façon, en pleine, il n'en existe pas. Ou alors, en tout cas, pas de connu. Mais voilà, c'est la seule que je connaisse en édition française. Et elle est évidemment arrivée chez moi. Je suis content. Voilà. Évidemment, il y a un peu de cartes, hein, forcément. Donc, la personne aussi me permet de finir tous les Pokémon en édition 1 sur Neo Destiny. Donc, on a un Noidcoco obscur, Aeromite, Rondoudou. Lamantine, Zarbi Z, Zarbi P, Loup et Togepi. Voilà, il va me manquer seulement que 4 cartes pour finir Neo Destiny Orbrillon. En termes de booster vide, parce qu'il y en avait aussi un peu, voilà, donc je récupère encore un Meganium en édition 1. Je récupère cette fois-ci un Typhlosion en édition que je n'avais pas. Un Alligator que j'avais déjà et un Lugia Genesis en édition 1 que je n'avais pas. Il y a aussi d'autres boosters comme le Hex Deoxys et un petit Néo Révélation, mais cette fois-ci il est coupé. Ça, c'est dommage, mais voilà, j'en recherchais en meilleur état. Donc si jamais vous avez des contacts, que ce soit en édition 1 ou en édition 2, j'en recherche. Et pour finir, on a aussi les 4 Tempêtes de Sable en français, donc dont un qui est entier. Et les autres qui sont coupés. Voilà, je pouvais pas passer à côté, même si c'était coupé, c'est pas spécialement mes recherches. Donc en attendant que je trouve en entier, et ben j'aurai cela tout simplement. Voilà, c'était une petite réception avec beaucoup de vide, mais avec des choses voilà qu'on voit vraiment pas du tout beaucoup. Je suis vraiment heureux pour les displays, pour avancer dans ce mur de décor que je m'étais fixé il y a déjà l'année dernière. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur les groupes Facebook, sur Facebook. Et voilà, tout simplement. C'était Matt. Tchuss.